quand tu t'es arrêté après Salat Maghrib, c'est qui? Tu finis avec l'iman ou Allah, sur mon nom, et sur mon sifat, sur mon attribut. Comment Allah finit d'écrire lui-même? Comment Allah finit d'informer nous concernant lui-même? Et comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous, finit d'informer nous dans un hadith? Et nous finissons à apprendre avant Maghrib qui ayat Qur'an qui descend en arabe, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait cause arabe, jamais nous payons aucune question qui finit soulevée par un sahaba pendant ces 100 ans quand il pose question. Alors par exemple, une question qui a sorti sous, tendez, mais les tarabul alamin peut descendre dans le troisième ciel à l'huile, mais est-ce qu'il se trouve il vit? Parce que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu n'est pas pareil comme un nani de son créature. Rabbul Alamin dit Bémithal. En urdu, il dit Bémithal. Ça veut dire Pena nani qui pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa Sami'ul Basir, c'est lui qui t'aime tout et c'est lui qui trouve tout. Écoute ça, c'est dans l'aïsa kamithlihi shay, il y a deux groupes d'immunes sur réponse qu'Allah finit donner. Dans l'aïsa kamithlihi shay, Rabbul Alamin il donne réponse pour deux groupes d'immunes. Un groupe d'immunes qui peut faire Allah sur mon nom, sur mon attribut, une pareille comme ma créature. Alors Allah dit l'aïsa kamithlihi shay. En même temps, ban qui fin. Faire ressemblance avec Allah, avec Allah et sur une créature. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam toujours lui dire Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthi al-layli fi thuluthi al-akhir min al-layl. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui descend dans le troisième tiers de la nuit, le premier des chiens. Le mot descend, nous tout comprenons descend. Comment il descend? Comment il descend? Personne ne parle ici, c'est Allah qui connaît. Alors, ça appelle ça kaif, comment? Le mot comment, pas capable de répondre. Mais seulement le mot descendre, nous tout comprend. Créez là? Le mot descendre veut dire descendre. Comment il descend? Personne ne connaît. Est-ce qu'il se descend? Pareil, comment insan descend? Non, parce qu'il a eu sa caméfiche. Est-ce qu'il, quand il descend, ce trône reste libre? N'a'ouzou billah. C'est là que vous dites nous ça. Il faut donner un hadith dire que Allah descend et là se trône bim bim. C'est un djibou djibou comme ça, mais et Allah descend se trône reste libre. J'ai dit sa question là, jamais man sahaba pas fait pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Arrête-il la même. Des réponses là bien, hein. J'ai besoin de prendre ma réponse. C'est un djibou djibou comme ça, mais quand. Parce qu'il connaît qu'il peut faire, il peut comparer sa descente là avec descente de qui ça là? Insan. Wasi'a. Écoute bien. Wasi'a. Kursi, yuhus, samawati wal ard. Qui ce kursi? Les couverts, les cieux et la terre. Et tous les terres. Mais comment quand la nous peut être là? Parce que vous nous donnez des exemples pour montrer qui créature Allah, il ne semble pas qu'il ne comprend. Comment nous parlons de créature subhanahu wa ta'ala? Alors c'est pour ça qu'il nous permet l'imam, c'est qu'Allah qui enseigne nous. C'est tout. Dès l'exemple. Premier exemple, c'est Jannah. Allez, nous écoutons ça avec le Coran, non? En même temps, nous avons bénéficié avec le Kirat, nos frères Zaki, Inch'Allah. Nous avons ça tout. Nous avons vu les câbles auxquels nous avons. Est-ce l'ayat? Ça? Est-ce l'ayat? Pourquoi on parle? Est-ce l'ayat? 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 Est-ce l'ayat
وبشر الذين وبشر الذين عفوا وبشر الذين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dans cette ayat là concernant Jannah, un exemple au Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala il servit le mot Jannah, jardin. Il servit le mot Anhar, la rivière. Il servit le mot Thamarat, les fruits. Il servit le mot Azwaj, les époux, les épouses. Est-ce qu'il y a quatre mots là dans Jannah? Oui, non. Right? Ça a quatre mots là, il y en a dans Dunya? Oui? Alors écoute bien ce hadith là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit A'adet, un hadith Qudsi, A'adetu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ça y est, Quran là. Et puis, c'est quatre mots qui, du tout, comprennent ce mot-là, veut dire Jannah, veut dire jardin, Anhar, veut dire la rivière, Thamarat, veut dire fruit, et Azwaj, veut dire les épouses. Quatre mots qui, nous tout comprennent ce mot-là. Seulement, est-ce qu'il y a épouse dans Jannah-là? Il paraît comment ça épouse dans Dunya-là? Je vais tout vous répondre, hein? Est-ce que vous suivez fait sa épouse-là? Il paraît comment dans Dunya? Pas pareil. Sa Thamarat, sa fruit-là. Même fruit, est-ce qu'il fruit dans Jannah et fruit dans Dunya pareil? C'est moi, est-ce qu'il est même mot? Est-ce qu'il fruit veut dire fruit? Ou bien fruit veut dire poisson? Écoute bien, pareil, il y a, vous pouvez mettre man qaïda là. C'est man qaïda ça. Ça veut dire mot là pareil, ce définition pareil, mais ce comment pas pareil. C'est-à-dire ce caractéristique pas pareil. Clair? Tout le monde? Ça c'est Jannah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire « Ma la aynun ra'at » aucun lisier n'a pas fini de trouver « Wa la udhunun sami'at » aucun oreille n'a pas fini de tendre, aucun lisier n'a pas fini de trouver et ou pas capable même de percevoir « Khatar ala qalbi bashar » qui est là dans Jannah. Alors qui est arrivé? Ça vient nous comprendre par ça que non là il est pareil et ce qu'il veut dire il est pareil mais ce caractéristique il n'y a pas pareil. Clair ça dans ça là? De tout me comprendre? Ça veut dire un mot, il est capable pareil, mais seulement ce suifat pas pareil. Clair? Bon, nous avons deuxième exemple. Yas'alunaka 'anil ruhi wa qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Je vais demander concernant la sourate Isra. Qul ar-ruhu min amri rabbi, qui ruh, les sous l'administration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Je n'ai pas fini de gagner connaissance concernant en roue, excepté très peu. Clair? Dans le hadith, roue, yas'ad. Dans le Coran, roue, lui répond. Dans le Coran, roue, lui tendit. Qui a eu le Coran, sa roue tendit, répond. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu shahid. Ça veut dire, nous apprenons dans cet ayat Coran là, que Rabbul Alamin fait une adresse, on explique ça en détail, dans plusieurs places. Il fait une adresse avec nous, man ruh, quand nous tuons encore contre Allah subhanahu wa ta'ala, tout man ruh, moi Adam alayhi salam, jusqu'à yon zou qiyama, Allah fait une adresse avec eux, est-ce qui c'est moi ce trop, nous tous fait une réponse, qalou bala. C'est là que tu réponds? Nous? Nous ruh. Ça veut dire nous ruh causé, et nous ruh tendé. Nous nous répondons. Est-ce qu'il s'attendait qu'il nous entendait là? C'est même tendait qu'il nous fait entendre ici? Clair? Ça veut dire que nous pouvons comprendre quel mot
dans le Coran et dans le Sunna, il est capable de faire un meaning, mais il peut faire un caractéristique. En arabe, il veut dire nafsul kalima, nafsul ism, mais seulement ce khususiyya pas pareil, ce caractéristique pas pareil. Clair? On comprend ça bien. Allez, Rabbul Alamin dit laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allali as-sami' allali al-basir. Right? Et dans surah insan il dit wa ja'alnahu insan sami'an basira. Nous fait insan min sami' et li fi min basir. Même nom sami' sami' basir basir. Oui non. Même nom. Est-ce que sami' il dit c'est lui qui t'entendait? Basir est celui qui trouvé. Tu l'as dit pareil? Seulement, est-ce qu'il savait dire qu'Allah s'occupait pareil comme un sang s'occupait? Alors, qui finit arrivé? Shaitan, il jouait avec un pote musulman. Il disait, tu vas trouver, tu peux faire Allah pareil comme un sang. Alors, à cause de ça, je dis que l'islamir, c'est moi qui n'ai pas tendu. Si je ne voulais pas l'islamir, tu n'as pas tendu un sang, je dis l'islamir, c'est moi qui n'ai pas tendu. Alors, on a trouvé que sa qaïda là, les fausses, nous capables d'arriver à un mot qui est pareil, mais seulement ce suifat, ce caractéristique, ce ressourci n'est pas pareil. C'est clair? Ça veut dire que ce n'est pas une raison pour raiser ben nom et ben attribut Allah, soi-disant nous vous dire que nous ne pouvons pas les ressembler à Allah pareil comme sur une créature. Ça, ce n'est pas la ressemblance. Ce mot pareil, ce meaning pareil, c'est moins ce caractéristique, ce spécification. Il n'a pas parlé. Clair? Toujours d'accord à ça là ou bien il y a une question? Allez, rien. Elle la loi du Coran. Écoute ça bien. Le Coran, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, il explique ce nom et ce attribut en détail, affirmation et négation. L'indonni mujmal. Qui veut dire ça? Ifbat mufassal avec nafi mujmal. Quand on lit le Coran, tout un ayat décrit en détail les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En détail. Mais quand il s'agit de rejeter une petite chose négative au nom d'Allah, on oublie les très peu. Ben Anbiya alayhi salam. Quand nous lisons le Coran, quand nous lisons le Hadith, je fais ithbat mufassal avec nafi mujmal. Qui veut dire ça? Quand on prend le Coran depuis le commencement jusqu'à la fin, presque chaque page d'un ayat Coran qui approuve un nom ou bien attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelques places où trouve un ban ayat que nous capables de dire. Les raisins, ben nox, ben diminue. Comment vous dites un nox pour Allah subhanahu wa ta'ala? En créole. Manquement. Manquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien tigit fort. Moi, explique moi-même. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Hu Allahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. كم آية؟ الله خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر، وبيان رفع السماوات بغير عمد، ثم استوى على العرش، يخرج من الميت، لا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Tout ça, même quelque chose peut décrire, peut donner nous information au Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Ensuite, il y en a quelques ayats qui font neuf, qui rejettent un manquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, qui est un ayat qui montre Allah subhanahu wa ta'ala attribue les par milliers. Beaucoup d'ayats du Coran. Et qu'on décrit Allah sur son sifat et sur son ism en détail. Mais quand il y a pour rejeter un manquement attribué à Allah, il est très peu. Donne-moi un exemple quand Allah il délie certains manquements attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul
هو الله احد الله الصمد أفهم؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا سيبي ريفوز او ريجيت لي مامون اتريبيي على الله سبحانه وتعالى لي كلير ça الله لا اله الا هو الحي القيوم ça qui dit ça approuvé approbation ou ça rejeté c'est qu'il appelle en arabe ifbat affirmé approuvé pourquoi est quran alhamdulillah rabbil arrahman arrahim tout ça là c'est approuvé c'est pas rejeté nous allons même comme ça entier quran beaucoup ayat mais quand il s'agit de rejet par manquement attribué à Allah les bien tigit et spécifique dans ayat al kursi Allahu la ilaha illa huwa après la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ahlu sunnah man sahaba de façon c'est coup de bien je fais ifbar c'est qui Allah que son il fait ifbar pour Allah je affirme approuve c'est qui Allah informe le lui-même et Rasoul sallam il informe le Allah subhanahu wa ta'ala et je rejette seulement ce qui Allah rejeté et ce que Rasoul sallam il rejeté je pas dire rejeté je pas dire Allah la par exemple la yabsuq Allah n'est pas craché par exemple ne pas faire ça écoute bien hein écoute bien pour expliquer je là je vais prendre un petit temps parce qu'en créole, je ne connais pas pour mettre ça en créole, je vais expliquer pour mettre ça en créole. Je vais dire, dans le Coran et dans le Sunnah, Ifbad, ben non, Allah attribue rempli. Bittafsil veut dire avec détail. Mais rejette les manquements attribués à Allah, c'est ce qu'on appelle Nafli. Ça là, dit très peu. Il clair ça vous donne? Et moi, nous donnons l'exemple. ولم يكن له كفوا احد لا تاخذه سنه ولا نوم par exemple alors sa qualité ayat qui peut nous capable dire rejette ban manquement attribué à Allah les spécifiques et les mieux alors nous iman c'est nous approuve ce qui Allah a prouvé pour lui et que Rasoul Sami a prouvé pour Allah et nous rejette seulement ce qui Allah et ce Rasoul il rejette Mais nous ne pouvons pas dire Allah n'est pas dormi à côté. Allah n'est pas gratte sur la tête. Pas dire mais dans la tête. Allah n'est pas dans la tête. Allah peine dans le cou. Nous ne pouvons pas mettre iman sa qualité. Non, mais iman, écoute bien, hein, parce que dans le groupe Moukhalif Ahl Sunnah, je fais le contraire. Je fais neuf ou huit tafsir, je fais ifbat moujman. C'est pour ça que je prends le temps. Qui veut dire ça? Ben groupe qui vient faire le contraire, ce qui est ben sahaba, qui amène iman, l'osman sifat, je rejette en détail. Tout, je dis, Allah pas gratté, Allah pas ça, Allah pas gratté. Tout ça fait, je dis, A'udhu Billah. Allah musta'an. Par contre, ifbal, je dis juste 3, 4, 5 000, bien sûr, 3, 4, 5, 5 000. Mais tariqatul anbiya, façon de ben anbiya, façon Coran, c'est le contraire. C'est faire ifbal, approuve. Ben nous, il va attribuer en détail et rejette ben manquement spécifique. Quelle est la phrase? Deuxième la loi, donc rejette ben manquement, faudrait ça, rejette ben manquement là, lui est égal à un approuve de un perfection. Quand nous pouvons rejette ben manquement à Allah, lui pas arrête là, lui est égal à un perfection de Rabbul Alamin Jalla Jalalu. Bon, vous avez l'exemple, mais dites-le que je peux retirer. Premier, je voudrais dire, nous résister, nous pas résister, nous pas dire, Allah n'a pas fait salat, Allah n'a pas... Non, 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 non. Nous résister, c'est que le Coran et le Sunnah résister. Créé là, nous pas résister plus que ça. À ce temps, quand nous pouvons résister, quand on analyse le Coran, nous trouvons tout bonne place qui fait résister par le manquement attribué à Allah, il est égal à une perfection de pouvoir, de connaissance, de nom. Une perfection dans Allah subhanahu wa ta'ala sur ma nom et sur ma attribut. L'exemple. Quand il dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm » Quand il dit que la fatigue et le sommeil, pas tous Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire, peut montrer qu'il est « qayyum ou samawat ou al-ard » que Rabbul Alamin n'a pas fatigué, c'est-à-dire qu'il est égal à une perfection dans Rabbul Alamin, jalla jalaluhu, sur nom et sur attribut. Tu veux comprendre ça? Quand il dit « Lam yalid wa lam yulad »
بغزت attribution enfants à la رب العالمين parce que إنا enfants c'est un صفات de إنسان alors qu'on بغزت ça بغزت un certain attribut à Allah un manquement qui quand nous résister ces amis peut montrer que رب العالمين جل جلاله les dit pas fait tu trouves ça la loi là les clés ça master là ça veut dire quand nous résister approuvé c'est d'après Coran avec Sunnah. Bon, ayat Coran qui concerne l'Ifbar, bon, peut-être dans chaque passage Coran, ou bien il y a 5-6 ayat qui causent l'eau, approuve, ben non, il va attribuer à Allah SWT. Samir, Basir, Latif, Khabir, Hay, Qayyum, Mudabbir, tout ça, ben ayat, c'est ben non, dit Allah SWT. Fait dire, Rabbul Alamin, Waja'a Rabbuka, Wal Malaku, Waja'a Rabbuka, ça veut dire Allah, pour venir. Asir, comment il est pour venir? Qui a été les bouvinis, qui peut arriver dans les bouvinis. Tout ça là, pas de problème. C'est moi, le Coran, il dit, « Wajja, Arabuka, wal malakou, safan, safa. » Clair? Ça veut dire, si Malaika bouvini, Malaika peut aller pied ici, Malaika, la psaume connaît qui se font origine, il crée avec l'éclairage, peut dire que Malaika bouvini. Alors, Rabbul Alamin bouvini. À ce moment, Rabbul Alamin bouvini, c'est celle-là qui connaît. Mais vini, mais dire vini. Clair, ça m'a installé, c'est tout. Toujours, vous comprenez ça? Aïe. Si arrivé, écoute bien ce la loi numéro 9, si je ne pas penser. Si arrivé, deux mots parmi les créatures, les capables portent le même nom et définition, pas même spécifique, qui fait pas capable qu'un nom en créature et créateur, les portent le même nom, c'est même sur spécification différente. Nous fait qu'apprendre qu'il rouge, yes, adou, nous rouge, les monter, nous rouge, les descendre. Nous rouhons les causer. Après, on apprend qu'il y a une sainte causée. Et nous pouvons apprendre qu'il nous rouhons se causer. Et une sainte se causer, c'est le même mot, même signification, pas même spécification. Tu comprends ça? Mais rouh qui est une créature, rouh est un makhlouk? Oui. Une sainte est un makhlouk? Oui. Même mot entre deux makhlouk, pas de ton pareil dans cette spécification. Est-ce qu'il n'est pas plus primordial que deux mots qui sont entre le créateur avec les créatures, qui sont capables de porter un même nom seulement sur ce sifat et sur spécification. Il n'y a plus beaucoup. Pour Allah, il y a l'iq, il y a l'iq, il y a l'iq, il y a qu'il existe approprié à Rabbul Alamin, parce qu'il est satamid les richesses, wa huwa samiul basir. Mais qui finit d'arriver, ben, le groupe a trouvé qui beaucoup de sifat entre Allah. Et bien, créature, il y a même un nom qui se fait, je ne résiste pas accepter ça, mon nom. Créer ça, ma sœur. Tu veux venir comprendre? C'est la petite question que je vais poser. Vous nous ajoutez une minute. Bon, il y a beaucoup d'ayats Coran, quand Allah dit par exemple, Wabasharnahu bi ghulamin halim. Concernant Ibrahim a.s. qui vient dire, je viens de lui, bonne nouvelle. D'un jeune, d'un enfant qui est halim. Après, Allah peut dire, « Wa kana haliman ghafoura. » Allah li halim et li ghafour. Même la loi. Tout le monde peut comprendre la loi là-là? Non, là, pareil. Somini, pas pareil. Pas vrai? Hein? Tout le monde est dormi. Somini, pareil? M'arrête posé moi. So meaning, pareil, so ma'na. Oui, il est pareil. Seulement so spécification, zami il pourra apparaître parce que Rabbul Alamin, laisa kamithli shay, wa huwa as-sami'ul basir. Clair ça, masala? Une fois, écoute bien, une fois qu'il nous comprend ça, la loi là, applique-lui le tout nom et attribut qui vient attribuer à Rabbul Alamin, jalla jalaluhu. Tout. Quran dit, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء رب العالمين, ce deux la main, مَبْسُوطَتَانِ fin être étalé, يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء li dépenser, comment li voulé. Qui dit, combien la main? Ça veut dire, Allah, il a combien la main? Il a la main.
أستير سافيديا سالامينا ها بكيفية كيفية كاريب لامينا تجيبون جاي بلوك كده بس كده سافر من اسمه جيها لا أبغى ما جيها كاريب منسو ما نجي أنا لامي جتني فيني كافي c'est pour ça moi je pressé pour dire l'armée que les yeux les pieds sur là là il veut moi je pressé pour dire tout ça man suffat là parce qu'avant nous devons faire t'écrire mas là là nous devons comprendre bien le langage arabe nous devons comprendre bien qui la loi gouverne à ce moment suffat oui non dans le qiyama rasoul sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fait il vous prend hein قبضته يوم القيامة والأرض سورة زمر اسمه في الشيخ ينتبه سورة زمر أرجى قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون سورة 39 زمر الله خالق كل شيء شيء وانا بلا لسان بسم الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. الأول رب العالمين جاء وما قدر الله حق قدري. لطفين الرب العالمين جل جلاله سبوب مزير. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيها كم سنة مونتري. قبض. سامسون قبض. أبي سام. رسول صلى الله عليه وسلم في قبضته يوم القيامة بمونتري سبحان الصحابة كي ليمون أن أنتي بدسو قبض كي أريد لا إسكي سا قبض لا يباري كما نو قبض ها سا صفات كابل قبض يقبضو قبض إسكي يباري كما نو قبض إسكي بزين القواني بزين أكود سبحانك يا آياتين تيامين با سبحان الله عما يشركون بنابي أسوسي أبيك الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيميني مطويات من لجل إمبلوي للأمير رب العالمين جل جلاله مطويات بيميني رسول الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ده تفسير سآيات لا يباسي سآيات لا ليجي الله سبحانه وتعالى قال يفني بران لا تيه يفني بلوي لجل لبجاء أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون مامو ليغوا مامو جبار أين المتكبرون كود بان كتشي في فيه تكبر كود زود ألو زود تروفي بان فريا سافي دير بو مامو بانسي كي سي بان فريا نكومبران بيان كي رب العالمين دي با باري كما سو كرياتور نيمو ان انسويت مولا في دير باري بو نو كومبران شيخ الاسلام دي ان سيرفي ان مو بو كومبران دي بان سيرفي ان مو ابري دي با في دير سا Par exemple, quand il dit « Yadou Allah », il dit « Pouvoir Allah ». L'ami Allah veut dire « Pouvoir Allah ». Mais Allah dit « Koudratou Allah », il dit « Kouwatou Allah » directement. Il dit « Yadou Allah ». Après, il fait « Oumat la guerre », il dit « L'ami », il dit « Kouwa », la force.
Je vais comprendre ça, ma là. C'est moi le problème qui nous gagne, nous. Tout de suite, quand on dit l'ami, nous pensons l'ami insan. Parce qu'il y a un cher de Azhar qui dit, ah, il dit l'ami, tu parles, tu penses l'ami insan. Oui, pense l'ami insan pour te comprendre l'ami insan trappé. Mais seulement, est-ce qu'il est capable de dire, Rabbul Alamin se trapper avec insan se trapper, il paraît. Vraiment, on n'a pas trop aucun problème. Mais pas trop aucun problème qui, ben, Asma ou Sifat, qu'Allah, il dit lui, même le dit pareil. Et il y a un mot que vous connaissez qui veut dire ce mot-là. Mais seulement, est-ce qu'il est pareil que Masou Maklou, Laïsa Kamel Féliché, ou Hawassanou Rassou? Créez jusqu'à là? Tout le monde? C'est la question, diamant. Allez, ok, bien la question. Mais qui veut dire ça, ayat Coran, où tu dis à ta réelle, وللله الأسماء الحسنى سورة أعراف فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. كانوا لي تفسير طبري مش لي تفسير قرطبي لي بان تفسير بان مفسرين كي avant de ban première génération alors qu'on dit وذر الذين يلحدون في أسمائه et laisse les gens qui peuvent faire ilhad avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres. Qui veut dire ilhad? Ilhad veut dire quatre petites choses. Il y a quatre façons que dit moun fait ilhad. Ça veut dire dans certains sens, il peut résider les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quatre façons. Numéro un, il accepte une partie, il réside une partie. Par exemple, ce qu'on appelle le groupe Ash'ari, Ash'a'ira, je dois accepter un sifat de sabr. Je dois accepter seulement sept sifat. Al-sam, wal-basar, wal-irada, wal-mashi'a, cinq ou bien six, sept. Sept en tout, tous. Qui différence il y a? Qui fait que je n'accepte sept, je vais accepter les autres? Qui fait que je n'accepte qu'Allah li ou les? Irada veut dire Allah ou les? Et je ne pas accepter Allah les content, yuhib. Je lui pose une question. Ou accepter qu'Allah les voulait, c'est non pas accepter qu'Allah les content. Sifatul hub. Allah inna Allah yuhibbu at-tawabin wal-mutahirin. Allah les content. Hein? Ban qui purifie les autres et ban qui fait tauba. Allah qui aide, content. Right. يا أيها الذين آمنوا سورة مائدة من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله pour faire une communauté unie qui Allah compte en eux et eux comptent en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans même ayat il met tous les deux. Alors ce qui est arrivé avec bonne intention pour pas faire parier Allah avec ce même créature. Avec bonne intention, pour ne pas faire une pareille à l'ex-humaine créature, Balen résiste le suffat de Houb. Non, non, non. Allah n'est pas content. Ayat Quran, il dit Inna Allah yuhibbu. Hadith, il dit Inna Allah yuhibbu l'abd. De combien Ayat Quran, il dit Allah content. Balen, il dit Allah n'est pas content. Qui fait? Parce qu'il content, c'est un mot qui est insan content. Alors, eux, ici, vous pensez qu'il est clair. Content, il dit content. C'est moi content qu'Allah content, il n'est pas pareil pour moi content qu'il est saint. C'est sur la loi, finalement la loi. Claire, ça m'a là. Mais qui fait, vous posez une question, qui fait, je dis, oui, c'est moi, Allah, il a irada. Allah, il voulait. Mais il s'en aussi, il voulait. Pena? Pena, dans cette ayat, il a tous les deux yuri. Il s'en aussi avec Allah aussi. Dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا celui qui voulait ثواب الدنيا ça veut dire انسان يريد أبدا سورة آل عمران الناجية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وصيد الإنسان والله فعال لما يريد وبين سورة بقرة قد يجمع سبارة الذي فعال لما يريد الذي يولي إنسان يولي وبين بروج فعال لما يريد إن بلوجيام بس الذي فعال لما يريد دي فيس اللي كي يولي إنسان سي يولي إسكي تولي اللي يولي باري نو يولي الذي جس بو الله بسبيسيفيك بو الله أولي بيجي أولي mais c'est un mot qui est attribué seulement à Allah. Et quand on dit insan oulé, c'est même mot, même meaning, c'est mot sur façon, sur spécification, pas pareil. Clair ça, Mastara? Tout le monde? Ayo, ilhad veut dire résider une partie, ban asma wa sifat, et accepter une partie. Numéro 1, meaning de ilhad. Numéro 2, ilhad veut dire nous dire que Allah t'a dit, moi aussi, moi t'a dit, nous t'en pareil. Après ça, il y a un mouchabihin. Il existait ça avec ces groupes-là aussi. Je dis, mais tout le monde qui a été Allah, qui a été une sainte pareille. Parce qu'il est dangereux, là-dedans, pour une akida qui appelle Hulul pour venir après. Vous voyez, les gens qui disent Allah, c'est tout, tout, c'est Allah. Vous entendez? Vous voyez, c'est Hulul. Ça veut dire Allah, il y a des gens qui disent, na'audhu billah, il y a un certain soufi. Alors je dis, mais. Quand vous avez des chiens là, des chiens avec Rabbul Alamin avec des chiens, ben là, il fait qu'Allah il mélange avec les créatures, tous les deux viennent en selle. Avec sa hulul, ou l'ittihad. Et là, dans l'islam, il y a un jour qui comme ça, et surtout, il y a soufisme. C'est pour ça que Mansour al-Hajjaj, quand on raconte sur l'histoire, dit qu'il commence à dire al-Haq, moi-même al-Haq, et ensuite le calife, il lui dit, je dis que quand tu dis ça, tu fais couler, tu fais crier al-Haq, c'est-à-dire qu'on approuve ça. Mansoufi raconte cette histoire approuvée. Je connais qu'il fait ce 10 ans, tu peux dire Al-Had. Ça, je veux dire, ces histoires-là, vraies. Et quand on dit Abraham, ça dit qu'il appelle Mansour al-Hajjaj, là. Pas Mansour al-Hajjaj. Alors, je c'est moi, c'est lui qui dit il y a un grand soufi. Il appelle Mansour. Alors, ça, Mansour-là, il arrive à une stase dans l'ibadet, il lit avec Allah, il finit mélanger, il vient en La hawla wa la quwwata illa billah. Après ça, Hulul ou l'Ittihad. Et sa conception-là, il commence comme un indien suffat Allah, et ça, tu le dis, c'est pareil, tout pareil, même ça peut te dire Allah. Les deux califes qui existaient, ou bien les rois qui existaient, ils tout dit, dans son histoire, comme un djimoun expliqué en dio, sans aucune référence, je veux dire qu'ils se disent, tu veux dire Al-Hab. Alors, moi, on me dit, si vraiment l'histoire est vraie, mais c'est Iblis et son l'homme, peut dire Al-Haq pour que du monde continue à accepter sa qualité de Dwalala. Pareil, moi je vais te dire l'histoire, mon grand tchatcha là, mon grand tchatcha pour vous, l'histoire là, dans ma zip du mamassier, ça veut dire que c'est l'un qui vient d'une mort, et d'après l'évli pour l'enterri, il parle qu'à Panama, pas qu'à l'évli, et là finalement, par l'exemple, il dit à beaucoup d'enterri l'un, mais elles ont enterri l'un. L'histoire là, vous êtes là? Hein? Un autre dit, comme Rifa'i, Rahimahullah, il est un grand alim Zahid, Abid, mon Jésus de Tariyara, il a côté Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a visité dans 460 Hijri. Quand il arrive côté Kabar, il dit, Ya Rasoul Allah, longtemps, moi, je vais avoir une rouge pour faire salam longtemps. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam peut dire, côté Zotéti, envoie salam l'Ola. Diabloroni, Allah, il met un farista pour faire salam là, il va dire, avoir une rouge pour faire salam. Ça va, mais j'avais ce rouge pour faire salam. Ça, nous façon répondre. Nous façon répondre, c'est Sahaba. Comment Sahaba est contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Comment Sahaba est un iman, l'asma sifat? Comment Sahaba est vivdin? Ça, c'est nos références. Parce que Banna est vivdin, puis bien qu'il n'est pas qui s'en a vivin après. Banna est contre le Coran, puisqu'il n'est pas qui s'en a vivin après. Banna est contre Rasoul, puisqu'il n'est pas qui s'en a vivin après. Banna est suivi sunnah, puisqu'il n'est pas qui s'en a vivin après. Alors, bien sûr, pas capable de vivre après eux, dire, n'est qu'il n'a pour suivre, puis il n'a pour ajouter, puis il n'a pour retirer dans lui. Sahaba.
Les amis des Sahaba nous ont dit, Abu Bakr, il prend ce roux, il envoie faire salam contre le Rasoul Sahaba. Mon livre là, dans mon sac là-haut, il écrit à Maurice, il écrit tout. Il transmet des livres en arabe. Je ne vais pas dire, René, il y a un problème à ce dire. Quand on écrit un livre en créole, mon père écrit un livre pour faire du monde reste dans les gamins, après on met une référence, sorti de tel livre 318. Comment dire qu'il sorti de tel livre 318, il y a un bizarre à lire pour lire. Il écrit 318, qui nous pouvait faire? Hein? Qui nous pouvait faire? Zamé, on a un petit comme on quitte Dunia, on allait, on a un livre écrit, on a accepté, on a un courant sur nous, c'est un livre. Oui, non? Je trouve mal fondamental. Cette année-là, c'est un tu peux dire qu'il nous reste émetté sur Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Il prend la précaution pour enseigner son humain qui rentre dans la toilette, qui va adapter. À ce dire, il n'est pas pour donner nous information de Rabbul Alamin, Jalaluhu, qu'on a besoin de nous. Subhanallah. L'Ipédia où il descend le premier échec, troisième nuit. Alhamdulillah, Allah descend. Nous tous, mais qu'on voit descendre, l'Ipédia descend. À ce qu'il y a plus que ça, nous ne posons pas de questions. Claire? Tout le monde comprend ça? Si pas d'accord, dis-moi, c'est même. Alors, je vais dire, Thumma stawa ala l'arche. Allah fut établi de ce trône. Je vais dire qu'assis de ce trône, elle est trône d'un bloc Allah. Et si tu es trop là, elle a tombé. Comme ça. Qui? Dans Maurice, là, comme ça, là. Et je vais dire le mot istiwa. Je vais prendre ça, là, un dimoun, l'istiwa ala markabihi. Ou bien ce cheval. Alors ce cheval-là, vous êtes tombé. Je vais dire avec qui? Si trop là, vous êtes tombé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un dimoun, il va dire. Et puis, il fait pas ça, il fait une mission sans soupape, mais obligé, il y a longtemps, pas de soupape, il ne sait pas sur les soins de détail. Mais au moment où ils aident sa main de choubouhane, la première, nous mangeons, finalement, nous mangeons comme un stap d'œuf. Dans le Bokrasoul, madame petit stap d'œuf. Si il y a un stap d'œuf dans le Bokrasoul, c'est moi, madame petit stap ça. Oui, vraiment, moi, il y a un stap d'œuf, mais malheureusement, madame petit stap d'œuf. Alors, fais-nous une madame stap d'œuf, là, nous, j'ai son nom. Mais longtemps, madame dit, hé, tu as une cause, tu petit master. Moi, je fais très explication, pas besoin de l'argent, tu m'as ça. Mais au moment où ça, tu m'as ça, fait nous à la 6 de Kabar, ça, tu m'as ça, fait commencer à faire nous accepter Abdullah Harare qui sorti dans l'Éthiopie. Il y a un dimon qui est dans ce pays appelé Cheikh Ul-Fitna. Aujourd'hui, il vient créer un nouveau madhab et ce nouveau madhab là rentre dans Maurice. Quand il rentre dans Maurice, même pas le frère Sunat Diamant, il va dire qu'il y a une prédiction. Ça veut dire que ça, 80% Sunat Diamant, il y a une prédiction. Ziz Cheikh Khalid dans Mazid Al-Aqsa et il va nous suivre le Hakra. Et nous rentrons nous dans le même problème, ça vient qu'on va venir et tu sais le hack du monde de la prédiction. Seulement, c'est bien quelque chose qui appelle sensation. Mais sensation, hein? Quand tu as d'affla, un jour, ça va être hier, oui, non. C'est un peu toujours content de vous. Parce que tu peux taper, même nous pas d'accord, vous n'avez pas à l'intérieur, une petite affaire, comment dire, peut dérouler à l'intérieur, oui, non. Le shaitan, ça. Iblis, oui non, cause. De là, si nous pas faire de goût, nous faisons des matchs de football là. Parce qu'ils nous ont bien des sensations, on n'a pas nous faire dire. Non, mais cause bien, parce que. Finalement, on trouve, c'est un coup là, l'État où dit, mais Yamoun Nabi, mais Sahaba, pas le faire. Masla Yamoun Nabi, là, c'est petit, ils n'ont pas causé ça. Je connais tous les témoins là, ils n'ont pas causé de mon cabal pendant 7 ans, 8 ans, mais seulement quand on trouve un frère. Azodi par Shubuhat, doute qui vient pousser de la tête de l'Oasman Sifat. Ensuite, il dit, oh, c'est une fête au bas. Là, pour moi, il est inacceptable. C'est pour ça que pour moi, il fait allusion à ce moment-ci. Il est clair là? Écoute bien. Le groupe Ahbaz qui nous a dans Maurice, représenté par Cheikh Khalid de Mazid Aqsa, à ce là, c'est un groupe qui, sur l'origine, c'est Shirk, directement. Pareil, comment? Maintenant, il servit à ce moment-sifat. Je fais mes doutes dans la tête du monde pour se rendre dans le chiffre. Seulement, il peut dire à Dimoun, non, Dimoun doit avoir pas un droit là. Ce qu'il peut dire, c'est là, Dimoun, il peut dire tout ça. Mais seulement, il peut dire ça avec ce chef qui appelle Nizar dans Liban. Liban, tous nos camarades de nos compagnies sont au Liban. Tout détail est là avec moi, Alhamdoulilah. Dans Liban là-bas. Parce que dans la Syrie, je n'ai pas un ground, je n'ai pas poussé, je n'ai dans. Liban, dans le moment où c'est dans la guerre, et je te représente le gouvernement Assad, son papa, dans Liban pour faire fitna. Il n'y a pas de tout ça dans mon passe, il y a tout, je vais mettre photo Assad avec Banna, directement. Mais on a tout détail là avec moi,
dans mon file avec moi tout détail de ce groupe-là en détail un par un. Le groupe Harare, dans son explication, ça aussi m'a placé, je dis que Mouawiya n'a'audhu billah n'est pas musulman. Ça m'a dit que Mouawiya n'a pas musulman. Seulement, pas capable de dire tout à ce là. Si maintenant montrer ce courrier est vrai, ça veut dire que je ne peux pas accepter. Alors qu'il fait une servie à ce moment sifat, il te trouver ban wahhabi, comme ça il dit, ban wahhabi, je travaille, il monte et il descend. Mais moi, je ne suis pas wahhabi, moi. Je ne connais personne pas wahhabi. Si nous disons, c'est din Coran avec sunna, c'est tout. Nous disons, c'est din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins cause à ce moment sifat, les fins dit Allah sulami, nous dit Allah sulami. Les dit que tout ban l'équerre de ban, les enfants Adam, les entre de les doigts, de Rabbu al-Alamin Jalla Jalaluhu, ils ont dit les doigts de Rabbu al-Alamin Jalla Jalaluhu. Mais là, on connaît maintenant qu'il dit, mais nous ne pouvons pas sentir Allah sur les doigts et tout sur les pieds. La hawla wa la quwata illa billah. Mais si moi dis, je dis, on a fait Hajj, Hajj, un Hajj. Badr peut trouver, Badr, en qui était avec qui était. En Makkah et Madina. Mais Badr peut tous Makkah avec Madina. Subhanallah. Allah met quelque chose pour nous trouver, pour nous comprendre. Pas nécessairement que Badr lit entre Makkah et Madina, ça veut dire Badr fait tous Makkah et Madina. Astaire Rabbul Alamin, est-ce qu'il, quand Hadith là dit, Inna quluba bani Adam, baina isba'aini min asabi ar-Rahman. Alors vous connaissez maintenant qu'il fait la manette de te trouver. Mais Allah se les doigts, fait tous sur le terre, mais quand il peut tousser. La hawla wa la quwata illa billah. Nous nous dire, Rasul Sassam nous dit, qui tout man l'équerre en dit les doigts. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qui tout man l'équerre en dit les doigts. Et nous pouvons voir qui veut dire les doigts, nous pouvons voir qui veut dire l'équerre. Seulement, comment dis Allah connu. Les doigts là, comment étaient dis Allah connu. Personne pas connu. L'ami, Hadith nous dit l'ami, Coran nous dit l'ami, nous dit l'ami. L'ami là, veut dire, vous avez un poignet, ou ça, finalement, il dit, ah bon, un autre va le faire. Maintenant, dessine un dessin, ça n'a plus grave encore. Tout man suffit d'expliquer. Tout le monde s'y fait de Coran Hadith. Par exemple, il dit lisier. Dérisier. Je vais mettre dérisier. Je viens de mettre la main, je vais mettre des lames. Je viens de mettre des pieds, je vais mettre des pieds. Je vais mettre ça figure qui va faire ibadet. La hawla wa la quwata illa billah. Je peux comparer le suffat qui est là avec le suffat de l'insan. Créer ça, ma salam, ma frère. Tu dis que tu comprends bien? Allez, mon épouse, 5 minutes pour poser quelque chose. C'est une petite question, n'importe qui a posé, il pose. Exactement. Après, fini même. Pour une question, je vous dis, c'est un ilhad. Ilhad sur 4 minutes. Numéro 1, c'est résider une partie, accepter une partie. Numéro 2, c'est nous dire qu'Allah, sur mon ism et sur mon sifat, il est pareil comme un insan. Et à être courant, peut dire, laïsa comme il est. Numéro 3, nous donne Allah un nom. Et bien, c'est le fait qu'il y a l'aïk sur la soule pas fin de donner. Par exemple, Allah dit le jour qu'il est pour venir. Mais venir, c'est un verbe. Mais le sujet, c'est lui qui fait l'action de venir en arabe, c'est Al-Ja'i. C'est lui qui est pour venir. Mais nous pas qu'à dire Allah, il est Al-Ja'i. Nous n'avons pas qu'à dire ça. Allah est en colère, oui, non. Radiba yardabu. Allah est en colère. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله en colère mais Allah en colère c'est un sifat ça son nom qui était c'est ghadib ça veut dire Allah li al ghadib oui non oui non non qui veut nous pas dire Allah al ghadib. Parce qu'Allah n'a pas appelé lui-même Al-Ghadib, ni Rasoul Sassam n'a appelé Al-Ghadib. Ça veut dire la loi numéro 3, nous pas gagner le droit d'appeler Allah ou bien de nier aucun sifat qui nie Allah ou bien Rasoul Sassam fin dire concernant Rabbul Alamin Jalla Jalalu. Il est clair ça, Mastara? Tu veux nous comprendre? Numéro 4. Quatrième ilhad, c'est nous prenons Allah, nous tirer depuis d'un nom Allah et l'autre nom, ensuite nous faisons ce ibadat. C'est ça qu'a demandé une prière pour ça. Mon dernier parfum tout de suite. Nous prenons le nom Allah, de ce nom-là, nous tiennent l'autre nom, ensuite nous faisons ibadat, nous mettons avec un idole et nous faisons ibadat pour cet idole-là.
لات منات عزة سا تروا نولا فين تيري دي بي بانو الله سبحانه وتعالى عزة دي بي عزيز تو في كين اريفي جو ن برون لو نو عزيز دي رب العالمين جل جلاله بان عرب كي تيكوني كي الله لي العزيز اه سيزون ميت انو كابيل عزة اه سيزون في عبادات بو عزة افيك ايدول سا اوسي نا با غان درو ابيل سا الحاد ابيل سا نو بي سانس مينين ات نو الله سبحانه وتعالى كومون في فيك اسبيك Mais ilhad en créole, je ne peux pas dire un mot exact pour dire que ilhad veut dire ça. Vous ne pouvez pas dire comment dire ilhad. Nous sommes capables de dire que sens, que défigure les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déformation. Clair? Il y en a qui de question? Je vais vous dire une chose, après nous pourrons reposer, Inch'Allah. Bien souvent, quand du monde dans Douala Alad, dans Pierre Dichon, je te fais un mélange, carré mélange de 5-6 madhab, après je te donne un nouveau nom. Le groupe Ahbash qui est là dans le monde et à Maurice, je te fiqh, quelquefois les Hanafis dans fiqh. Hanafi ou bien quelquefois Shafi'i. En même temps, dans Asma wa Sifat, je te Ash'ari, des madhab. En même temps, je te Natariqa Sufiya 4. Jilani, quelquefois, Qadiri, Naqshbandi, avec Rifa'i. C'est quatre façons de tariqa, ce qu'on appelle tariqa, soufisme. Vous trouvez, Carvé? Alors, en même temps, je te fais, je dis à quelques sahaba qui ne sont pas musulmans. Je ne vais pas les prononcer non là. Je dis à quelques man sahaba pas musulmans. Et si vous allez dire à ce qu'il y a là, concernant Hussein, je te mets beaucoup l'emphase de Hussein. Et c'est pour ça qui nous fait dire dans nos explications, dans nos islam, qui fait Aziz Hussein et qui fait pas Hassan radiallahu an, qui fait pas Hamza radiallahu an, qui fait pas Omar radiallahu an, qui fait pena focalisation, pena zéfo, le lamenté, le lamo de Hassan qui frère de Hussein, Hamza, tchacha de Rasoul Sassan, qui fait un shahid, d'ailleurs Hamza c'est que ça n'a, qui se tic, Sayyid, Ashuhada, les chefs de tout man shahid, pour lui pas ton nom, pas qu'on aime. On nous a tout fait un matin, peut-être Abdaf, le Hamza. Mais qui fait Hussein tout seul? Il est arrivé. Il y a un petit travail pour dérouler ça. Pareil comme Asma wa Sifat, il servit pour faire Jimoun. Détourner les bitawhid de l'Azza wa Jal, comme ça même, l'amour Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam finit être servi, comme ça même, l'amour pour famille Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam finit être servi, comme ça même, Khilafa de Abu Bakr avec Omar finit être servi, comme ça même, l'amour de Hussein finit servi. Finalement, à la fin, on trouve Péadition, quitte Surat al-Mustaqim pour le trappe, man chemin de Péadition. Ok, mon frère? Si vous n'avez aucune question, on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que Rabbul Alamin, si c'est qu'il se pétendait, pas besoin de prendre deux mois. Ok? Pas besoin de prendre deux mois. Fais du'a avec Allah. Qui c'est qui nous paye? C'est na... Bon, ban qui paye un doute, alhamdoulilah, paye un pour casser sa tête. Mais ban qui soit disant qu'on peut écouter ça, les sourds, peut dire, hey, pas facile ça, là-bas, moi, tu écoutes ça, cher, peut dire ça, d'un papier, peut dire ça, d'un rouleau vidéo, ça n'a pas, ou bien trembler si vous écoutez ça. Mais vous tremblez, un dit, vous pouvez dire, ouais, ban là, je trouve, il sourit, lui. Ah, il n'y a pas moi qui me dit ça. Rasoul qui me dit ça, tu peux faire bouffon avec Rasoul, 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 hein? Mais le hadith dit qu'Allah reste étonné. Allah reste pour que ça n'a. Pour action de que ça n'a. Hein? Sa sahaba, Abu Darda. Abu Darda, il fait action. Quand il fait sacrifier ce tigit manger, il fait donner son invité. Ramater Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah reste étonné par ton action. Mais c'est un dimon divin, il dit Ban Wahhabi Zotrab, il reste étonné. Ya Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire ça. Pas nous qui veut dire ça. Mais il est très grave, ça a été fait bouffon. Vous le trouvez parfois, mais c'est moi qui est arrivé. Il met une bonne certaine petite chose. Par exemple, demain matin, vous pouvez expliquer qui petite chose il servit pour pousser Ban Jimoun pour sans autre artide. Question. C'est la question. Moi, je vais vous dire un dernier point, je m'arrête la même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma ba'athallahu » من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه
وينهاهم عن شر يعلمه لهم. بينا aucun نبي que Allah fin envoyé excepté qu'Allah fait wajib lo sa nabi là qui enseigne ce ummah tout quelque chose qui bon pour lui et tout quelque chose qui pas bon pour lui. Clair ce hadith? Je tout comprends ce hadith? Mais tout ça man sifat qui nous peut dire là, c'est man sifat qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans man hadith. Et tout man ayat Quran fin dire concernant Allah subhanahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme un frère, il ne faudrait pas rester là, je t'ai causé. Là, il faudrait une bouteille à nuire. Chacun prend une place en l'aude, les reposer. Parce qu'Inch'Allah, qu'il y a, vous levez 3 heures. Non, 3 heures, salade pour commencer. Ça veut dire 3h moins 15, nous lever pour nous faire salade ensemble, Inch'Allah. Et sa salade qui nous peut faire là, normalement, nous pas qu'à faire une routine. Nous pas gagner droit, nous faire une action, une routine. Et nous faire, par exemple, chaque semaine, nous pouvons faire tahajjud dans masjid. Chaque mois, nous pouvons faire tahajjud dans masjid. Ça, quand il vient une routine, sa action là, il est capable de prendre hukum bid'a. Mais c'est moi, si n'a pas une aucune affaire qui prescrit et fixé, alors, Inch'Allah, nous disons, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Et normalement, si arrivé, nous faisons individuel aussi, ni meilleur, mais c'est moi, je pense qu'il est déjà est pour faire, basé le hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait qu'il en jamaat dans Ramadan, pour nous dire qu'en dit au Ramadan, pas qu'il y a un droit à faire, nous vous amène une preuve. Alors, vous pensez, mais beaucoup de savants disent pas qu'il y a un droit. Moi, je suis franc, beaucoup de savants disent pas qu'il y a un droit à faire un amas, tahajjud, en dit au Ramadan, en jamaat. Vous finissez, je suis casté là. Pour moi, dire ça pas venir une fitna après. Mais seulement, parmi les conditions pour dire une action bid'a, c'est faudrait divine prescrit et divine une routine. Alors, il ne faudrait pas nous faire une routine, ne pas dire tous les jours, quand je sors du travail, je rentre à la case, je vais faire des rakat. Mais si je travaille, il vient rentrer, il fait des rakats. Tous les jours, si je travaille, rentrer, là, il fait une action, vine, digne, qui n'est pas digne. Alors, au moment de ne pas faire avec routine, ne pas mettre les fixés, ne pas mettre un moment prescrit, alors, Inch'Allah, il n'est pas pour prendre le hukum de bid'a, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.